C'est vrai que Marwan Muhammad, il a fait le takbir. Donc en effet, là on peut se dire, qu'est-ce qui se passe? Y aurait-il un grain de moutarde deux fois qui lui est monté au nez? Que se passe-t-il? Mais en fait, il a expliqué qu'il s'est trompé. Il n'a pas fait exprès. Quand il l'a fait, il s'est trompé. Il voulait juste citer des phrases en arabe, un peu au hasard, pour expliquer que c'est pas du terrorisme, pour les dédiaboliser. Voilà, il a dit c'était pour dédiaboliser, parce que le takbir, c'est Allah est le plus grand. Ça veut dire tu es en train d'élever Allah, tu dis Allah, il est tout en haut. Tu l'élèves par ta parole au-dessus de la création. Allah est le plus grand. Ça veut dire que tout le reste, toute la création, toutes les idoles qu'ils construisent, tout ça c'est en dessous. En effet, ça c'est de l'islam pur. J'aurais pas pu mettre zéro. Mais il n'a pas prononcé le takbir de cette façon pour louer la grandeur d'Allah, pour dire votre histoire de république laïcité, ça vaut rien. Allah est au-dessus de tout ce que vous avez créé, toutes vos idoles. Mais il a dit pour dédiaboliser l'expression. Il était en train de dire aux mécréants, non, mais on peut dire cette phrase parce que c'est pas que les terroristes qui le disent, nous aussi on le dit pendant la prière. Si vous écoutez la vidéo en entier, vous voyez qu'après avoir fait le takbir, il dit parce que c'est pas une déclaration de guerre. C'est pour dédiaboliser. Et la deuxième fois, il dit parce qu'on est fier d'être musulman et fier d'être citoyen français. En fait, il se sert du takbir pour dire je suis fier d'être un citoyen français. Je suis fier d'appartenir à votre groupe. Fier d'être français, fier d'être citoyen. Donc bien sûr que son takbir ne vaut rien. En total d'islam, ça fait toujours zéro.